Il suffit de boire une tasse de cette boisson pour éliminer les toxines et nettoyer naturellement vos poumons. Peut-être vous ne le savez pas, les poumons sont des organes auto-nettoyants, mais de nos jours, nous sommes continuellement exposés à des polluants et à des substances toxiques, ce qui peut congestionner et enflammer le poumon. Vous devez donc les nettoyer. Cette boisson aidera à nettoyer vos poumons naturellement. Il est également utile dans le cas où vous souffrez de tous irritantes en permanence. Pour commencer, préparez un sachet de thé vert et mettez-le dans une tasse. Placez ensuite une tasse d'eau dans une casserole. Portez à ébullition jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau est bouillante, retirez la casserole du feu et laissez-la refroidir légèrement pendant 2-3 minutes. Cette eau, légèrement plus fraîche, tirera le meilleur parti du thé vert. Versez de l'eau bouillante sur un sachet de thé pour le rendre amer. Après 2 à 3 minutes, versez l'eau dans la tasse de thé et laissez infuser le sachet de thé jusqu'à 3 minutes. Si vous aimez un goût plus fort, vous pouvez brasser un plus longtemps. Mais attention, un brassage excessif peut causer de l'amertume. Lorsque le temps passe, retirez le sachet de thé. Vous pouvez utiliser une cuillère et appuyer sur le sac pour obtenir toute l'eau. Avant de passer à l'étape suivante, je vais vous dire les avantages étonnants du thé vert pour vos poumons. Le thé vert contient généralement environ 27 mg de caféine par option d'une tasse. La caféine peut aider à détendre les muscles lisses des poumons et à fonctionner comme un bronchodilatateur aidant les voies respiratoires ouvertes. Le thé vert est également chargé de la pureté des polyphénols qui a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans les poumons. Ensuite, vous devez préparer une poutre de curcuma et ajouter un quart de cuillère à café dans la tasse de thé vert. Curcumine, le composant clé du curcuma, aide à nettoyer naturellement les poumons qui aident à détoxifier le corps. Le curcuma est également riche en antioxydants, en propriétés anti-inflammatoires et anti-âge qui peuvent fonctionner efficacement lorsqu'il s'agit de traiter les affections pulmonaires. La plupart des patients pulmonaires éprouvent de la douleur dans les poitrines et nerfs dus à la congestion et à l'inflammation dans le passage de l'air. La consommation de thé au curcuma peut aider à réduire l'inflammation qui efface le passage de l'air. En plus de faire ce thé, vous pouvez également ajouter du curcuma dans votre alimentation quotidienne pour nettoyer vos poumons. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de miel à la tasse. Cela aide à la fois à sucrer la passion et à nettoyer vos poumons. Le miel a des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires, ce qui aide à éliminer la congestion pulmonaire. Il est utilisé depuis les temps anciens pour apaiser l'irritation des poumons et traiter diverses affections respiratoires, y compris l'asthme, la tuberculose et les infections de la charge. Avoir une cuillère de miel bru toutes les jours peut être très bénéfique pour vos poumons. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Enfin, ajoutez quelques tranches de citron vert et mélangez bien. Votre thé nettoyant pour les poumons est prêt. Il est préférable de le boire pendant qu'il est encore chaud. Consommez ce thé le matin pour nettoyer vos poumons et alimenter votre journée.